vraiment lourd. Ah oui. De l'autre côté. Retourner, coupe, coupe. C'est retourner dans le même sens. Est-ce qu'il faut qu'il soit. Tête bêche. Et ensuite, il y aura. Là, l'idée, c'est de. Après, tu cales l'incise sur cette ligne-là. Et comment tu en passes en. Comme ça. Et cette ficelle, elle sera quoi, cette ficelle? C'est pour suspendre au dos le 8 pages d'olivier de près. Ça, c'est pour. C'est le truc d'Alexandre. Ah non, c'est pour le. Et au dos, c'est. Et ça, c'est pour Alexandra. Donc là, les pochettes, elles sont déjà embossées. Ouais. Découpées. Il y a juste une cale à mettre le long de la ligne de pli. Ouais. Voilà. Et là, donc, tu mets les petits machins comme en haut. Ok. T'en mets 4 carrément? Ok. Ça accueille un 24 pages. Ouais, ouais. Et là, ça tient bien, ça marche bien. Ouais. Ça. Elles sont déjà engrossées, ok. Donc, tu fais quoi ici, tout le long là? Le cadre. Le cadre, en fait. Ok. Quoi? C'est la matrice d'embossage de. Il faut déjà avoir fait la ligne de coupe. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et un appui comme ça suffit, il n'y a pas besoin de presse. Donc. Est-ce que si on a fait plusieurs, il n'y en a qu'un par an? Est-ce qu'à mesure que je coupe, il perd des petits bouts, il perd des tout petits millimètres? Non, il n'y en a qu'un? Oui. T'es sûr de ça? Ah merde! Il faut pas perdre des bouts. Ah ouais! Même en mettant la lame la plus droite possible, il y a des moments où je mords sur le. Ah ouais? Ouais. Merde! Oh, parce qu'il faut pas qu'il bouge trop après, parce qu'il faut qu'il soit. Qu'il rentre l'un dans l'autre. Je suis bien conscient de ça. D'où mon inquiétude. Il y a plus de couleur. Je pense qu'il y aura du monde intéressé. Ouais. Comment? Je pense qu'il y aura du monde intéressé. Ouais. Non, non, là, je suis pas inquiet. Je pense que la dernière chose qu'il y a à craindre, ce serait de ne pas trouver un éditeur pour ça. Vraiment? Oui, ouais. Vraiment, oui. Ouais, pas de problème. Bah, ça avait plutôt bien marché. Oui. Oui. Oui, carrément. Il arrive dans un terrain où il a déjà été, pillé, utilisé, parodié. Mais je suis pas sûr de ça, qu'il y ait une telle postérité. On était hyper surpris et contents. C'est bien qu'il y ait des gens oui, qui découvrent. C'est... On a doublé notre vente par rapport à l'année dernière, de précaré. Ouais, ouais, il n'y avait pas assez de 12, on aurait pu en vendre un ou deux de plus. Qu'est-ce qui pose des soucis? Non, pas des soucis, mais des questions, en fait, que des gens découvrent au bout de 5 ans une revue. Faut bien faire attention à les mettre dans le bon sens, parce que c'est... Oui, je sais, c'est casse-gueule, m'a dit Jérôme. Bon, le nœud de fin, c'est un nœud simple, hein, j'ai vu Jérôme faire. Ouais. Okay. Non, c'est sur le mode de couture, il y en a plusieurs. Après, c'est savoir dans quel ordre elles se succèdent. Je vais regarder ça. Ben, moi, je vais prendre un modèle, en fait. Hein.
Pour faire des essais, on se disait un petit papier calque, si t'en as. J'ai pas pensé. Bah, des essais de pliage et de conception. Ah non, c'est la page. On va avoir ici. On a fait une plaque de fond. Pardon. Vite, quoi. On y est quasiment, je crois, là, avec les deux belges. Il y a 34. Après, il faut que ça continue, quoi. Il faut qu'il y ait une... On arrive à non seulement rentrer dans les frais, mais avoir de quoi en faire. Eh ben, sur le festival, ça a bien marché. On a manqué d'exemplaires. On en avait pris 25. Mais depuis qu'on est rentré, rien, quoi. C'est vraiment le phénomène festival. De toute façon, si Justin on veut pas, je vois pas très bien dans quoi je pourrais intégrer un texte pareil. Ouais, bah... On peut en faire un petit festival PCCBA si tu veux. Illustré, puisque je vais lancer une autre collection. Ah oui, pour ta collègue. Ouais, pour ma collègue. Pas de très proche qu'on peut dire quand même. Mais du coup, il y aurait une petite collection PCCBA texte illustré. Et qu'est-ce qui t'a motivé à l'envoyer à Pli, ce texte ? Parce qu'on a pas mal de conversations sur l'art avec Justin. Et notamment, un des trucs qui nous a réunis à un moment, enfin, physiquement, géographiquement, c'était une rencontre chez des camarades. C'est quoi ton plus gros tirage pour l'instant ? 49 830. C'est quoi le tirage ? Vente alors. C'est 500. Parce que c'est toi, c'est ton manifeste. Ouais. Et c'est combien ? 420. D'accord. Je vais commencer à mettre ça. Je vais coucher. Okay.
Ben oui, mais il y a précaré. Oui, mais des textes plus conséquents que dans précaré, du coup. Non, il faudrait qu'à chaque fournée, tu aies quelque chose qui éponge cette perte nette que tu fais quand ça démarre. Parce que même si ces trucs se vendent après sur la durée, il faut qu'au départ, ça marche quand même. Le problème, c'est pas tant... c'est pas tant d'éponger, en fait. Moi, je peux l'assumer. Non, le problème, c'est que le livre ne se vend pas tout court, en fait. C'est juste triste pour le livre, c'est triste pour l'artiste. C'est triste pour la bande dessinée, c'est triste pour la vie. C'est triste pour l'humanité, en fait. Ouais. Une colle pH neutre qui attaque pas le papier, facile à manipuler. Non, c'est très bien. Super. C'est comment bien. C'était à la colle pour ce départ? C'était à la colle, colle blanche liquide et au pinceau. Il faut renforcer les traits de pli. Ouais. Là, tiens. On le met pas au milieu en fait. Mais c'est l'autre bout plus large. Ah d'accord. Ah tu en mets partout. Ouais. D'accord. Ben oui parce que je peux épouser le dos. D'accord, je comprends. Et là, ces lignes là. Ok. Okay. Mm-hmm. Faut que la moitié arrive à 17. Non c'est 16, 5. Ok, ok. Tu poses. Il faut trouver un protocole. Ok. Du machin. Ouais, c'est bien. Ça me paraît bien comme protocole. On va voir. Il reste à battre ce que je fais. Super. Celui-là, il débordera un peu, mais c'est pas très grave. Ah, c'est ça. Celui-là doit faire 5 et celui-là il doit faire 2. Ah ouais, la, c'est juste ça. Le document fait 6. J'arrêterai à divers quand j'en pourrai toute l'édition. Oui, t'en as un. Donc si à un moment je réalise que je suis allé trop loin avec un truc qui ne tient pas la route et qu'il faut réinventer un projet depuis. Ou que t'es ruiné. Non. Non, même ruiné, tu continues. Mais non, mais ça ne peut pas vraiment arriver en fait. Ça peut pas arriver. Bah, vu l'économie de la maison, ouais, ça me paraît compliqué, quoi. C'est vrai. C'est l'intérêt de ce petit ce genre de petite économie, c'est que là, à une ou deux exceptions près, mais c'était quand même des risques calculés, quoi. Ouais. Il faudrait insonoriser la cave, quoi. Bien. Ça va. Ça va. Il n'y a pas encore de batterie. Deux, 2-3. Ouais, c'est ça. 3 mm. Ouais, 3.
Ah mais si, il y a Guillaume aussi qui a écrit un peu sur, sur Rosa Rappel, dans le dernier précaré. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit passage, ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais. Oui, il y a un palimpseste, hein, une espèce de réécriture. Ouais. Sauf très très rares exceptions, les quelques personnes qui ont manifesté de l'intérêt ou même qui ont acheté le livre, que je sache, quoi. C'est vraiment les gens qui suivent de très près le travail de la maison, quoi. Mmh. C'est quoi le pitch, là ? Cette partie essentielle de l'art, cette aptitude à se regarder faire, se regarder créer, se regarder penser, ou dans un sens générique, quoi. Ou alors il faut faire le Maligny, Marc-Antoine Mathieu. Il faut transformer ça en argument de petit malin. Oui, puis ça rentre dans un cadre de récit relativement standard. En plus, ouais, c'est pas faux. Ouais, il faut au minimum l'argument d'une simulation héroïque pour que ce soit toléré. Pour moi, des personnages qui te disent qu'ils sont en train de vivre une vie de personnage. Tout en regardant la caméra du crayon. Des degrés d'exigence différents. Moi, je me plie au... Allez, courage. Mais le côté novateur, j'ai du mal. Enfin bon, j'ai pas tout regardé, il faut que je regarde tout, mais c'est vraiment. Elle est vraiment dans la continuité du dessin américain et du roman graphique américain, mais en tout point. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de côté novateur. Là, je vois rien pour la... Enfin, je l'ai feuilleté, mais quand non, même... Non. C'est juste un argument marketing. Pour l'instant, c'est abordé de façon excessivement paresseuse. Il n'y a rien là-dedans qui me soulève le sourcil. Le dessin n'est pas laid, mais il y a un lourd tribut payé effectivement à plein de gens. Enfin, il y a quand même beaucoup. Cette absence de bande dessinée dedans me navre. Il y en a des bouts, visiblement, quand même. Hein. Avec des bouts de bande dessinée. Des vrais bouts de bande dessinée dedans. Non, comme le chocolat de tout à l'heure, tu sais. Vous avez envie de vivre, vous avez le goût de vivre. Des vrais bouts de bande dessinée. Nous avons sélectionné de vrais bouts de bande dessinée. Pourquoi j'avais ça en tête, que vous en aviez fabriqué une qui se... avec des charnières et que ça repliait deux pans de bois, et en fait tu fais ça et en fait ça plie ton truc. On est prêt? Alors faut que je cale de ma section en agrafin, puisqu'elle est ici. Alors tu m'en passes un.
Même truc. Même lequel, lequel il y a beaucoup de différences par contre en termes de hauteur. Je peux faire là-dessus peut-être. Ouais, c'est bon. Il y a pas un petit peu peut-être pas le, les bons outils. Il y en avait un autre rouge hier qui était un. Hein. Tu préfères le rouge hein. Mais c'est celui-là que j'utilisais hier. Ok. Il garde ses positions. Ouais, c'est bon. Hein? Il garde ses positions. Bah, ça me semble pas mal, à moins que tu veux les graffer, moi je mets ses potes comme tu veux. Hein. Ça, donc, je prends juste un calage poil de cul pour éviter que ça glisse. Hein. Je vais essayer d'aller aussi vite que toi. Que le... hein? Je vais essayer de, d'aller aussi vite que toi. Non, mais prends ton temps, si ça se. Je peux. Hein? Vaut mieux faire ça bien sans précipitation. Bah, je fais ça bien, hein. Moi je. Alors. T'es pas hyper centré. Ah oui, il y a le problème de la... ouais. Du ruban. Donc je suis concentré aussi au poil de cul sur la totalité. Ces images n'ont pas tout à fait la même hauteur. Hein. Là, il y a des différences assez. Ouais, il y a eu un problème à la coupe. Ah ouais. C'est pas autre chose. Pas... ouais, je vois. C'est un peu. Ouais, je fais attention. Et, peut-être ça vaut le coup de se faire une cale, un genre de marque avec un bout de scotch ou un truc comme ça. Ils sont pas symétriques les plus. Non, il n'y a pas la même largeur de partie. Le bon gars. Du coup, c'est bien, ça te donne un repère. Pour bah, pour poser ton scotch, pour tout ça. Pour, Tu me cales sur le pli extérieur. Tu n'es pas obligé d'être ultra précis, hein, c'est pas grave. Ok. Tu fais pareil en dessous. Ok. Sur la ligne de gouttière extérieure. Ok. Tu vas moins droit. Ok. Tac, il y en a un plus large pour le centre. Tac, tac. Ok. C'est la même taille ou pas? Comme ça, non, tu poses comme ça et de marquer où poser ça par rapport à. C'est beaucoup plus pratique, tu n'as plus qu'à le poser dessus et. C'est mieux de partir de la gouttière la plus large, donc celle qui est. Je commence par la centrale. En premier non. Plat. Je l'avais fait de façon très illogique. De quoi? De ça. J'ai pas fait comme ça, donc j'ai. Ça ne m'a pas empêché de les faire, hein. Mais... avec une autre technique. Ça. Moins sûr. À quel endroit tu fais les tours? Oui, ça suffit.
doucement. Après, on appuie un peu, puis ouais, comme dit. Ok. On peut en faire en haut, en bas, hein. Ouais. Ouais. Ok. De chaque côté, ok. Tu dis quoi? Feedback.